Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va dire un peu explicative du jump. Oui parce que je sais pas si vous êtes déjà venu sur le serveur, vous verrez qu'il y a beaucoup de jump un peu sur les bords. Enfin sur le tour de la map et je vais un peu vous expliquer à quoi ils servent on va en faire un petit peu. Voilà, au passage on voit un petit nouveau qui s'est fait bloquer qui s'est fait bloquer dans le piège. Voilà, vous pouvez voir en plus il y a une plaque de pression hein, qui a marqué Alors on peut savoir franchement que c'est un piège. Bah il s'est fait bloquer. Tout simplement. Bon écoutez, alors celui qu'on va faire pour le moment, ça va être celui qui est ici. Alors il est à côté du bleu pour vous repérer. Et là-bas il y a l'arène. Écoute, on va y aller, Yuji. C'est parti. Voilà. Alors dans celui-là, vous aurez plusieurs terrains de jump en fait. Donc ça c'est pas mal. Alors bon là d'abord il y a un petit labyrinthe, moi je connais un peu, je connais le chemin donc ça va. Juste je voulais voir un truc. Ok c'est bon. Tac. Je crois qu'il y a un moyen de glitcher une des salles du jump pour passer directement Ouais à la je... dernière salle, en fait. Oui je connais ouais je... Ouais. Mais on va éviter de le dire dans la vidéo parce que s'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. J'avoue. Donc alors là c'est un peu on va dire la salle principale du jump, vous allez voir, alors il y a plusieurs endroits où vous avez un terrain de jump. Alors là c'est le premier en fait, c'est celui avec des coffres et il est super dur à faire. Est-ce qu'on peut le faire d'ici? Ouais mec tu sais que ça il bug hein. On peut le faire C'est bon, d'ici. moi, Yujimi, ouais. Ouais non Darké. on peut tu sais donc c'est un peu cheaté. Faut qu'il change ça avant que je passe la vidéo. Ouais donc D'accord. Alors là au premier vous avez un truc de jump, à chaque fois c'est une petite salle comme ça un peu dans le style là. Et vous, à chaque fois vous allez continuer en fait, merde j'ai foiré, vous allez avoir des jumps avec un petit panneau qui va vous permettre de gagner des points à chaque fois. Il y a le nouveau qui me gêne. Voilà. Hop. Voilà, alors on va continuer un peu le chemin par là-bas. Si je fail le Là, la pas. deuxième salle. Voilà, pour l'instant, ça j'ai reçu le passage là avec la ce truc d'araignée, c'est chiant. Attends, laisse-moi. Vas-y, je t'en prie. Ah, j'ai fail. Ah, fail. Ah, attends, bah attends-moi 2 secondes, je vais. Ouais, t'inquiète. Voilà, c'est bon, je fais le chemin. Ouais, j'ai jamais fait ici. Bon, on verra après. Alors, voilà. Il y en a combien? Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y en a trois des salles de jump. Si je me trompe pas. Une, deux, trois. Et là-bas, c'est la sortie. Donc à la sortie vous allez aussi avoir un petit panneau pour gagner de l'argent. Hop. Non! Ah, tout d'un coup, en plus, t'étais passé. Oh, dégoûté. Ouais donc franchement c'est fun, y a de quoi s'amuser en attendant que les parties se lancent. Franchement c'est fun. Franchement je dis GG. Franchement je crois que j'ai dit Il y a plusieurs pas mal fois. de divertissement. Ah mais je fais que me fail. Moi, je suis tombé. Tiens, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, bah, quitte à faire. Alors là, il y a mangez C'est juste bien une et salle bonne déco. continuation. Ah ouais, c'est toi qui as fait la map ici. Ah non, pas du tout. Ah ok. Parce que j'ai fait ton. Parce que voilà, le modérateur qui est avec moi, Yuji, a fait aussi un terrain de jump qui est super dur, super long. Et à la fin, en fait, il n'y a aucun cadeau. Et je l'ai fait ce matin, je peux vous dire que j'étais deg. Ouais, non, mais en fait, parce que j'ai pas les commandes pour foutre les panneaux Ouais, pour alors gagner voilà, des c'est points. bon, j'ai réussi à être dans la deuxième salle, mais celui-là, je crois qu'il est impossible à faire quasiment. C'est super Bon, on dur en peut le tout cas. tester un petit peu. Au C'est pire, si on super dur. galère vraiment. Voilà, bah tiens, là, il y a Vincent, je dis GG à lui, il a réussi à aller jusque là-bas. Perso, j'ai jamais réussi. Jamais dépassé les essais là, celui-là, pour te dire. Enfin, jamais trop essayé non plus. Moi, c'est la première fois que j'entre dans cette salle, alors, comme ça. Ah non, mais c'est Attends. franchement super dur. Ah, c'est impossible. Hein? Bon bref, bon, celui-là, on va éviter de le faire. Ah t'as réussi, mais je sais pas comment tu fais pour monter à l'échelle en fait. Ah si, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Oh, je dis PGM. Ou le PGM. Oh le PGM. Je suis coincé dans une pauvre toile Faut aller où d'araignée. maintenant? Bah, tu continues sur. T'es où, toi? Okay, donc là c'est la dernière. Oh Voilà. non! Je me Oh, suis fait dingue. bloquer. Oh le dégât. Je suis dans les tours derniers, bien sûr. Voilà. Oh non! Bon, tant pis.
Alors là, on monte. Voilà, c'est la dernière. Je vais ici. Voilà. Donc là, faire gaffe. Voilà. Après, là, il n'y a pas d'étoile d'araignée. Je suis tranquille. Là, il n'y en a pas. Faites gaffe hein, s'il y a des toiles d'araignée. Parce que c'est le genre de truc qui va vous gâcher. Non, 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 non. Non, la deck. La deck totale. Oh, putain, je me suis fait bloquer. Bon, je sais pas si je vais le faire. Je vais faire encore 2-3 essais. Après, je vais arrêter pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. En fait, j'ai compris la technique là. Ah bah j'ai fail. Merde. Je dis ça mais en même temps je me gourre. Voilà, c'est bon. Hop. Hop. Et après c'est encore là. Tac. Alors là il n'y a rien. Ah si non. Ah, fais gaffe, il y en a une petite en haut. C'est un coup à se faire coincer. Là après il n'y a rien. J'ai fait tomber. Alors là faites gaffe. Putain, je fais crever. Enfin, fais tomber. Hop. Ça m'énerve, j'ai des vieux rollbacks. Alors là, voilà. Alors, attends, je suis sûr de pas me louper avec la toile d'araignée. Nickel. Plus qu'à attendre de tomber. Ah, non, 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 non. Voilà. Merde, mais comment on fait d'ici? Bah, faut que tu sautes à part. Non, celle d'avant. C'est Que tu sautes de la dernière, je pense. chaud, c'est chaud. Bon, écoute, je te propose qu'on. Ah merde, il y a une toile d'araignée ici. Qu'on aille à une autre salle parce que bon, c'est pas trop le but de montrer qu'on est Oui, DPG. non, mais... bah, moi je tombe. Voilà. Alors, sinon, c'est là que je peux vous conseiller qui est super simple à faire. Et je me suis fail, bien sûr. Non, ça passe pas. C'est celle-ci en fait. C'est avec les minerais, franchement, elle est super simple à faire. Sinon, il y a la coffre, elle est assez dure, celle avec le coffre. Au pire, sinon, il vous suffit de faire le petit jump qui est ici. En fait, il est assez. Ouh, bah, tu t'étais pas à moi, trop tranquille. Ouais, j'étais bloqué dans une toile d'araignée, ça te faisait chier. Alors, après, vous avez aussi. Une fois que vous avez fini le terrain de jump, ici, là-bas, vous pouvez avoir aussi quelque chose. Bon, je me suis fail. Vous allez avoir aussi. Bah, ça, en fait, c'est pour sortir. Vous allez avoir un petit panneau pour vous faire un peu de points qui vont vous permettre d'avoir un meilleur classement. Ah, mais il y a encore du jumpcraft dans la dernière salle en fait. Je sais pas. Ouais, c'est les minerais, elle est simple celle-là. Ouais, là. Oh le con, j'ai fait tomber. Bon, les minerais, je sais pas, ouais, je vais la faire limite parce que franchement, elle est pas dure. Ah ouais, c'est juste le passage en redstone là qui est dur, ça je m'en souviens, j'avais galéré quand je l'avais fait la première fois. On galère sur des tout petits jumps, c'est énorme. Oh là là. Ah, mais d'accord, j'avais pas tilt, que c'était que deux de hauteur. Ouais, c'est chaud, il y a des endroits qui sont assez durs. De sadique. Attends, je l'ai passé. Ouais, juste. Oh pareil. Alors là, je crois que maintenant c'est là que ça devient plus Pour simple. sauter, là c'est pareil. Ah non. Ah ouais, non, moi j'ai sauté du minerai d'or. Non, moi je préfère éviter. Tiens. Je vais me la péter, je vais tout faire tranquillement. Ah bah, you Jimmy. Dark en tête. Hop, et voilà. Après, vous allez pouvoir sortir tranquillement par ici. Voilà, parcours game. Je sais pas si c'est encore le mien. Non, c'est quelqu'un de voilà, Vincent Ever qui l'avait fait avant moi. Non, tu me l'as avant moi. Voilà, hop, maintenant il y a mon pseudo. Ah, c'est bon, vas-y, avance. Voilà, allez, sort. Tu n'as rien vu. Voilà, maintenant vous sortez d'ici. On peut faire lequel maintenant? Le bleu, le rouge? Le tien ou sinon? Sinon, on va faire le Si on tien. teste le mien, ça risque d'être long, quoi. Je pense. Ouais, non, ça va. Bah, ça dépend en fait. Ok. Moi, tu sais, j'ai pas trop de limites pour la vidéo. Au pire, vous Ok, couperez la vidéo, bah vous la regardez en c'est plusieurs fois. Parce que bon, quand même. Bon, le rouge et le bleu sont assez simples quand même au début. Il y a juste un ou deux sauts qui sont super compliqués. Donc alors. Au pire, si on galère vraiment, tu fais un passage en accéléré et puis comme ça. Ouais. Alors là, voilà. Là, faut pas se faire piéger. Attends, vas-y. Faut être sur une plaque en fait. Vous mettez sur une plaque. Comme ça. Et vous allez sur l'agglo. Là, ça passe. Voilà, maintenant on tombe en bas. Ouais, donc elle est assez longue, mais je crois que t'as pas fait super attention parce qu'il y a des endroits où on peut facilement le traverser sans. Ouais, justement, en fait, c'est l'as, je
sais pas si tu vois qui c'est, qui m'a justement conseillé de faire des, tu vois, pas vraiment des glitches, mais plutôt des raccourcis, parce que il l'a trouvé trop longue. Du coup, Ah, j'ai essayé de mettre des trucs, ok. tu vois, pour les petits Ouais, malins. donc c'est fait exprès, quoi. Ouais, enfin, peut-être pas tous, je sais pas, mais. Bah, je te montrerai au pire ce que je connais en tout cas. Tu me diras si c'est fait exprès. Bah, je pense, hein, parce que c'était quand même assez évident. Voilà, je saute par derrière. Là, là-bas. Après, là, c'est là. Hop. Après, ici. Là, je saute en haut. Là, je monte. Après, le raccourci. Attends, j'avais un raccourci aussi ici, je m'en souviens. Voilà, ici. Après, il faut, faut monter l'échelle ici. Et après, mon raccourci. Attends, normalement, tu vas où là? Tu montes et après, tu dois faire quoi? Là, en fait, tu peux passer directement par ici pour Ah, ok. éviter de faire le jump. Ok, bon, en fait, c'est comme ça que je faisais d'habitude, moi. Je sais même pas Ok. c'était quoi la technique. Alors là, c'est le En passage fait, à. normalement, fallait sauter. J'avais pas foutu de plaque en stone bricks. Mais ça, c'était juste que si on trompait d'ici, ça faisait un peu trop chier de recommencer. Mais Quitte à attends. Ah ouais, faire. mais attends, là, on peut faire comme ça. Comme ça. Ah ouais, attends, là, on peut pas, si j'ai rien dit. Voilà, et là, vous allez en haut où vous pouvez. Enfin, où vous êtes revenu, en fait, au début. Bon, on fait le passage de Landstone. Là, je crois pas qu'il y a de raccourci, de toute façon, on a obligé de passer par là. Oh là là. Tu galères son propre truc. Alors là, jusque-là, c'est assez simple. C'est juste le bloc là, c'est qui est assez dur. Faut se mettre bien sur le bord et sauter. Et moi je me fail. Oh non, mais franchement, il est pas simple. Ah, par contre, là, il y a un petit raccourci. Enfin, même un très très gros raccourci, j'ai envie de dire. Alors, une fois que vous... une fois que Tu vous n'as êtes là, rien en fait, vous vu. avez quasiment fini. Bon, sauf si vous voulez faire toute la map. Moi, perso, je l'ai fait entièrement la map. C'est que là, au lieu de tomber ici, en fait, Voilà, tu peux directement vous contournez. passer là-bas. Alors là, vous avez encore une map encore en dessous qui est assez sympa. Je vous la conseille de le faire, franchement, ça coûte rien. Alors là, après, vous montez en haut. Mais Vous regarde, allez. justement, tu peux passer directement par là, en fait. Tu peux directement jumper d'ici. Hein. Ah ouais, bon, ça change pas grand-chose. Et là, Non. c'est quoi? J'ai pas compris, c'est quoi la différence entre les deux? Mais en fait, il y en a un, là où tu vas devoir recommencer la map depuis le début parce que tu tombes dans un couloir qui te ramène à la première porte. D'accord. Et l'autre, là où tu vas pouvoir continuer, tout D'accord, parce que simplement. moi, c'est mon pote qui m'avait dit ne prends surtout pas l'autre là où il n'y a pas la plaque. Du coup, je connaissais, mais attends, je vais prendre celle-là. Justement, en fait, la plupart, ils croient qu'avec la plaque, c'est un piège, tu vois. En fait, là, j'ai encore jamais réussi. En fait, à chaque fois, je suis resté bloqué ici. Wouhou! Oh, j'ai réussi! Oh oui! Ok. Et Voilà, voilà, c'est sauf qu'à fini. la fin, il est. Bon, là, ça va, on l'a fait assez vite parce que moi, je le connais bien, donc. Alors, bon, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà recommencé plusieurs fois, donc je connais. Mais la première fois, c'est assez long. Bah, écoute, on fait encore un petit jump ou on arrête Ouais, là? vu qu'on l'a fait assez rapidement, hein. Quitte à faire. Le rouge ou le Le bleu, comme rouge tu est veux. plutôt simple, on peut le faire. On va pas Ok, prendre trop de temps, je pense. vas-y. C'est parti. Enfin, moi, en fait, le rouge, j'ai jamais fini. Parce que bon, je suis arrivé hier soir sur le serveur, hein, il faut savoir. Donc, j'ai un peu découvert un peu tout le serveur, je connais à peu près tout. Bon, j'ai pas terminé tous les niveaux de jump. Quasiment, en tout cas. Il manque encore quelques-uns. Alors. Ah, j'allais dire que c'était trop simple jusqu'à là, mais en fait. Je tombe. Sinon, il y a le bleu que moi, j'arrive un peu mieux. Moi j'arrive mieux le bleu que le rouge, mais apparemment, enfin Pareil. d'après En fait, les avis des gens, il est plus dur. le rouge est très simple jusqu'à un certain endroit. Je vais vous montrer jusqu'à où. Et bien sûr, en fait, je tombe, mais vraiment bêtement, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, je fais des trucs de merde. Hop. Bon bah pour ceux qui regardent cette vidéo, vous aurez un petit bonus. Il y a un parcours en stone bricks. Le faites pas. Parce qu'en fait, il est juste impossible. On l'a modifié exprès parce que déjà il était pratiquement impossible à faire. Et en fait, on l'a modifié pour que ceux qui le terminent soient tout simplement directement bannis. Parce qu'on en avait trouvé pas mal qui utilisaient des hacks sur ce parcours. Ouais, c'est un. Je trouve c'est un peu. Ouais. Ça gâche un peu le plaisir parce que c'est très très simple de glitch et voilà. Je sais bien qu'il y ait des. Genre de protection comme ça. Oui, j'ai réussi jusque-là. Voilà, et c'est. Voilà, moi c'est là où il est marqué Yesuken, j'arrive jamais à grimper là-bas. C'est là que je reste bloqué en fait. En fait, moi, avant, je connais beaucoup, mais là, ce que je pense qu'il faut que tu fasses, c'est que tu enchaînes directement. Tu as le saut d'avant, il faut que tu les enchaînes tous les deux, et je trouve que ça passe carrément, enfin, à l'aise. Là, tu rejoins, Ah voilà, comme ça. ouais. En fait, bon, c'est la petite technique.
De Yuji qui est super pratique. Vous savez comment vous y prendre maintenant. Maintenant, je sais pas comment je vais me démerder pour aller là-bas. Voilà, en fait, ouais, faut les enchaîner. Alors, Gros sel. ah, j'avoue. Ah, ouais, bah moi aussi, j'ai un petit fait. Bon, je te propose qu'on aille un peu au bleu parce que, perso, je l'ai jamais Ok. fini donc je le connais pas trop. J'ai un peu de mal pour celui-là. Donc, on va faire le Bah, c'est bleu. parti. Le bleu, j'étais assez loin dans le bleu, mais j'ai jamais trop été un peu trop loin, quoi. Moi, j'ai tout fini. Bah, ça fait quand même plus longtemps que je suis sur le serveur. Je les ai tous finis sauf le Stonebricks. Ouais. Bon, là, je pense que ça sera la dernière des petites vidéos découvertes, puisque je pense qu'on aura fait un peu le tour en produit serveur. On a fait le paintball, on a fait la map PVE, on a fait bah, maintenant là, les trucs de jump. Donc, je sais pas si encore d'autres choses à découvrir, Yuji, sur le serveur. Bah non, je pense pas. Peut-être l'arène PVP. Ouais, peut-être je ferai une petite vidéo dessus quand il y aura du monde, ou peut-être que je demanderai un petit event exprès pour la vidéo. Ouais, et puis quitte à faire, s'il y a des nouveaux trucs qui arrivent plus tard, tu peux Ouais. Mais profiter pour combiner toute l'arène façon, PVP je avec. pense que je vais continuer à faire des vidéos sur le serveur, mais des petites parties de paintball comme ça pour les viewers, je pense qu'ils aimeront bien. Donc ce sera pas la dernière vidéo sur le serveur ou ouais, avec Yuji, je pense. Bon, je pense que j'en ferai beaucoup d'autres. De toute façon, enfin, c'est quand même cool. C'est toujours cool à filmer des petites parties paintball tranquilles. Ouais, voilà. Après, faut pas, c'est un peu chiant des fois, ça crache Oui, bah. ou avoir un peu de chance quoi. Ou des fois quand tu crèves facilement. Bon, je crois que c'est un peu le dernier endroit où j'avais réussi à aller. Voilà. Là, j'avais réussi. Là aussi. Mais en fait, c'est là que je me. Ah, là, j'avais jamais. Ah, là, je commence à cet endroit où j'ai jamais fait. Alors, de là, faut aller jusque là, putain. Et je suis tombé tout en bas. Ah, je suis dégoûté. Oh non, J'étais putain. quasiment à la fin. Bon, mais écoutez, les viewers, je pense qu'on va se dire. On va se dire au revoir sur ces derniers mois avec Yuji. Eh bien écoutez, je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo. Bye bye. À plus.